Arrivé cet hiver au FC Barcelone, Vitor Roque, 18 ans, a tout de suite conquis les supporters catalans. Le Brésilien, auteur de 2 buts en 5 matchs en Liga, dont celui qui offre la victoire contre Osasuna, a marqué ses débuts. À son jeune âge, Vitor Roque a une grande marge de progression. Et celui qui admire beaucoup Robert Lewandowski, 35 ans, a confié qu'il apprenait beaucoup du Polonais lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo. C'est un joueur incroyable, comme tous ceux qui sont dans le vestiaire, c'est un joueur qui a fait l'histoire dans le football. J'essaie d'apprendre au maximum de lui, il a toujours la volonté de travailler, quand l'entraînement est terminé, je vais avec lui et j'essaie de suivre ses pas, pour apprendre le maximum, a d'abord avoué Vitor Roque, avant d'évoquer les conseils de l'ancien du Bayern. Il me dit que je suis encore très jeune, que je sois calme, parce que j'ai un avenir brillant devant moi. Victime d'une véritable épidémie de blessures depuis le début de la saison, notamment dans le secteur défensif, le Real Madrid ne fera pas 2 fois la même erreur. Le club a décidé d'intégrer plus de joueurs à ce poste pour l'an prochain. Le mercato d'hiver vient à peine de refermer ses portes, que la planification de la prochaine période de transfert est déjà sur la table. Gouverner, c'est prévoir. Florentino Pérez connaît la formule, et surtout son rôle de dirigeant du Real Madrid. Le club de la capitale connaît déjà une saison éprouvante, qui laisse des traces. Les très nombreuses blessures, Alaba, Militao pour de longues périodes, sans oublier Courtois, Nathio, Rudiger, Camavinga ou encore Mendy ont aussi connu différents soucis. En défense contraignent Carlo Ancelotti à devoir innover presque chaque week-end. Tchouaméni a par exemple été obligé de jouer en charnière centrale à 3 reprises. En 33 matchs toutes compétitions confondues, l'entraîneur italien a aligné 18 quatuors défensifs différents. Le technicien madrilène, qui en a vu d'autres pourtant, n'en revenait pas après la blessure d'Alaba en décembre dernier. 3 ligaments croisés en 4 mois, c'est incroyable. L'hécatombe semble sans fin. Quand un joueur revient de l'infirmerie, un autre le remplace. C'est encore le cas pour le choc au sommet de ce soir. La perte Tchouaméni-Rudiger était pressentie, mais le Real Madrid a communiqué la blessure de l'Allemand pour 2 semaines. Résultat, en l'absence de Nathio, c'est Carvajal qui a associé aux Français. Un constat s'impose d'ores et déjà. 4 défenseurs centraux n'ont pas été suffisants pour cette saison. D'après AS, la Casablanca a déjà pris la décision de rapatrier Rafa Marin pour l'an prochain. Le jeune défenseur, 21 ans, montre de belles choses durant son prêt du côté d'Alavés, actuellement 11e de Liga, après avoir été courtisé par le PSG. Il devrait être intégré à la rotation de l'effectif lors de la rentrée. Cette décision en implique une autre. La venue d'un renfort de poids à ce poste, Inacio, Paco, Yoro, Scalvini sont cités, n'interviendra pas avant l'été 2025.